avec Maxime Moreno sur l'attente du départ du prologue. Maxime, deux victoires avec Jérôme Connard lors des deux premières épreuves de la Baja. Bon, là, ça va être tenter le triplé et gagner ce championnat en duo. Ouais, c'est vrai, on est venu là pour ça, donc maintenant il va falloir gérer. C'est vrai que la course va être un peu particulière avec un terrain un peu plus court que d'habitude, un terrain un peu sablonneux qui va se défoncer, donc on va avoir un autre type de conduite. Moi, c'est vrai, j'ai pas eu de chance parce que cette semaine là, c'était jeudi soir, j'ai mon quad qui est tombé en panne, mon 700 Raptor que j'avais préparé exprès. Et donc, c'est vrai que j'ai préparé en vitesse mon 4,5, donc mettre le gros réservoir, etc. Donc, c'est vrai que ça fait un peu de travail. Maintenant, bon, là, on attend pour le prologue, il fait très chaud, on attend et j'espère que ça va pas être trop long, quoi. Donc, là, la stratégie de course, c'est toi qui pars, Jérôme. Ouais, je fais le prologue pour cette fois-ci, donc je vais partir demain matin. Et puis après, on verra en fonction de la durée des tours, en fait, de l'autonomie qu'on aura. Donc, on va essayer de faire le maximum de tours possible, quoi, pour essayer de passer le moins de temps au ravitaillement. Et puis, c'est vrai qu'on vous voit souvent sur des longues épreuves comme ça. Il y a d'autres épreuves que vous allez faire ensemble, type 12 heures de Pont-de-Vaux, par exemple? Ouais, avec Jérôme, ouais, on a monté un team pour les 12 heures de Pont-de-Vaux. Donc, il y aura Jérôme, moi et Alexandre Giroud sur un 525 KTM. Ok, d'accord. Bon, bah, bon courage pour demain. Merci. Nous sommes avec le pilote Quad Agency sur son 705 AX, TRX. Bon, Anthony, là c'est les prologues. Bon, comment tu le sens? Bah, comme chaque prologue de Baja, pas très sûr de moi et pas très sûr de la machine parce que en fait, ce n'est pas une machine pour taper un temps chrono. C'est plutôt une machine pour faire 10 heures de quad sans avoir une ampoule au bras. C'est plutôt une machine à être à finir cette course de 10 heures, 12 heures sans avoir aucune crampe. C'est vraiment une machine idéale pour ça, avec ses triangles à l'arrière. Après, honnêtement, au niveau de la prologue, si je suis dans les 5, tant mieux pour moi. Comme ça, après, ça me laissera 8 heures de route, 8 heures pour pouvoir remonter et me faire plaisir demain, quoi, dans la journée, quoi. Bon, par contre, c'est vrai que ton expérience, peut-être pour tout ce qui est qualification élite et cross, te permet quand même d'avoir un petit avantage sur d'autres personnes qui font vraiment que de l'endurance. Exactement, je suis vraiment avantagé dans ma technique de pilotage. Mais le seul problème, c'est que je n'ai pas d'arbre de roue. Et l'arbre de roue, dans ma technique, elle est limitée parce que c'est un quad qui motrice tout le temps en permanence, qui a du mal à virer. Dans les virages, il faut vraiment bien prévoir son virage. Donc c'est pour ça que le pilotage du 700XX, TRX, il est vraiment un peu spécial. On le compare au Polaris, si vous voulez, Outlaw. Mais il faut dire que c'est un 700. Un 700, quand on veut du coffre, un petit coup d'embrayage dans un petit virage et ça repart vraiment. Je le compare au 450 au niveau maniabilité. Il est vraiment très léger, très souple. Il y a cet effet d'arbre de roue qui manque, mais bon, c'est pas pour autant que je perds pas le mental, quoi. Bon, bah, on se voit dans 2 minutes 30. Je l'espère.